Hello, on se retrouve pour une vidéo que ça fait très longtemps que vous avez vue sur ma chaîne du Project Life. Alors, j'ai déjà préparé ma page en fait. Il me reste à préparer une carte avec vous. Voilà, j'ai tout préparé. Voilà, c'est. Alors, je vais pas vous montrer la page. J'ai pas mis le washi. Comment vais-je faire? Bon, c'est pas grave. Je vous la montre vite fait. Hop, comme ça de loin. Voilà. Donc, ma page est prête. Les photos sont faites. Il ne me reste que la grande carte en fait. Donc j'ai une grande carte, voilà. Elle est prête à être collée. On va la faire ensemble. Et je vous montrerai, donc du coup, je prendrai, je mettrai du washi sur la tête de ma fille et de mon mari. Parce que pour une fois, il y a mon mari. Et dans ces cas-là, je vous montrerai le résultat à la fin. Mais aujourd'hui, on va juste faire donc la carte là, voilà, qui ira sur la page de Project Life. J'ai fait les photos et tout ça parce qu'en fait, sinon, ça aurait été trop long. J'aurai encore une vidéo qui durait tout ça. Donc, j'ai préféré faire mes photos parce qu'en plus, j'avais pas trop d'idées sur le moment. Et puis, je me suis dit que faire la carte avec vous, c'était pas mal. Alors, je vous explique. Ma page de Project Life, en fait, celle-ci, c'était donc pendant le confinement. Je n'ai pas fait spécial mars-avril. Ça s'est regroupé parce que du coup, je n'ai pas pu les imprimer avant, que je n'ai pas pris de notes pendant le confinement, enfin bref. Et que donc, je me suis dit que j'allais faire le Project Life, là, mars, avril, ce sera spécial confinement, quoi. Il n'y aura pas de date précise. Donc là, les photos, on voit bien que ce n'est pas la même date, parce que ma fille n'a pas le même maillot, voilà. Qu'elle n'a pas forcément la même coiffure non plus. Donc voilà, donc ça se voit à peu près comme ça. Après, c'est pas dramatique, hein, c'est à moi. Donc, c'est mon Project Life. Donc, c'est personnel. Je fais ce que je veux dedans. Voilà. Donc, à la base, ça se fait à la semaine. Moi, je ne l'ai jamais fait à la semaine. Souvent, je l'ai fait au mois. Donc, j'ai essayé pendant un temps de le faire à la semaine. Là, avec le confinement, janvier-février, c'est fait pratiquement à la semaine. Mois de mars-avril, ce ne sera pas fait à la semaine. Ce sera fait période confinement. Donc, du coup, j'ai bien écrit confinement piscine. Hein, voilà. Parce qu'on a eu de la chance que pendant le confinement, il faisait beau, que mon mari, du coup, était en confinement, donc il s'est occupé du jardin et donc de la piscine. Donc voilà. Mais vous allez voir que mars-avril, très franchement, c'est un peu mélangé, que c'est vraiment confinement. Donc on voit bien la période, elle ne sera pas comme les autres. Voilà. Je pense que pour le mois de mai, je referai à peu près à la semaine. Il faut juste que je regarde si j'ai noté. D'ailleurs, je ne crois pas que j'ai noté les dates. Il va falloir que je le fasse. Que je me réhabitue à prendre des notes dans mon planeur pour le Project Life, pour savoir telle date on a fait ça, telle date on a fait ça, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ça, vu que c'est la reprise du Project Life? Pas grand-chose, j'ai déjà fait une page, moi, parce que c'était l'anniversaire de ma fille, j'ai déjà fait une page entière de Project Life, histoire de me remettre dedans avant de vous faire la vidéo, et du coup, là, je pense que maintenant, certaines pages, je les ferai avec vous, peut-être pas toutes, bien que là, je n'ai pas non plus énormément à faire. Mais régulièrement, je referai des pages de Project Life comme je fais avec mes pages du scrap. Voilà. Je pense que c'est tout. Et qu'on va pouvoir s'y mettre. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. Je vais enlever la page de vos yeux pour le moment. Je vous la remettrai à la fin. Et vous verrez donc le résultat entier. Voilà, non, j'avais entendu une voiture, donc je me demande ce que c'était. Voilà, donc on se met sur mes mains, parce que ça fait déjà 4 minutes que la carte n'est pas faite. Donc on y va. Voilà, alors bah, bien sûr, j'ai mon café, hein, vous me connaissez maintenant. Ce que j'ai préparé pour faire cette carte, ou tout du moins pour faire cette page, j'avais rattrapé, donc j'ai des stickers comme ceci, des stickers comme cela, les chutes de papier que je garde. Hop, j'ai aussi colorisé. Donc ça, ça vient d'un des coloriages que j'avais acheté chez Action. Et ça, c'est la page stickers. Donc j'ai préparé le maillot de bain et les tongs. Parce que le reste, c'est surtout la mer. Et que nous, on est dans la piscine, on n'est pas à la mer. Donc la carte que j'ai mise aux bonnes dimensions. Lydie, oh, elle est pénible ce matin. Ensuite, donc il y avait les stickers comme ceci. Donc là, j'avais pris la petite sirène. On a cela. Donc qui était dans ça. On a tout ça. Voilà, donc j'ai préparé tout ce qui était stickers de chez Action que il va falloir que j'utilise à un moment donné. Hein.
parce que j'en ai une collection pas possible et que bah, je ne l'ai toujours pas utilisée. Donc voilà, hein, on est d'accord, j'en ai même en double. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi de les prendre. Hein. Donc voilà, donc, je vais essayer de les utiliser en fait dans mon planeur ainsi que dans mon Project Life, histoire d'en éliminer avant d'en racheter. Voilà, donc vous n'êtes pas prêts que j'en achète, tellement j'en ai et que je veux absolument ne plus en avoir à traîner. Enfin, à traîner, ils sont rangés, hein, mais voilà, j'en ai trop, c'est un truc de fou. J'en ai acheté de trop, voilà. Alors, on a notre carte, voilà. Bon, il faut que je passe mon bureau ce week-end parce que ça ne va pas du tout, cette affaire. On a notre carte et j'avais envie de la travailler un peu comme une page de scrap. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais venir ancrer un peu peut-être le fond. Voilà. Ouais, j'ai bien envie dans les tons un peu bleu. Alors, c'est pas ce tiroir là, ça va être celui-là. Je vais sortir mes Distress Oxide. Donc, il y a la Salty Océan qui fait vraiment piscine, ce qui tombe très bien. Et celle-ci, voilà, la Mermaid Lagoon, ce qui va bien parce que j'ai une sirène dans la piscine. Oui, j'avais envie. Voilà. Alors, un plastique, j'en avais un sous les autres, voilà. Et je vais venir donc faire comme d'habitude. Et là, j'avais envie de travailler un peu en diagonale. Donc, je vais essayer de travailler en diagonale. Ce n'est pas gagné. Parce que, bon, la carte n'est pas très grande non plus. Voilà. Hop. Alors bien sûr, c'est une feuille imprimée, on ne va pas non plus voir spécialement mes encres, mais c'est histoire d'avoir travaillé mon fond. Comme vous me connaissez maintenant, je ne sais pas travailler. Oh, sans faire de patouille. J'ai mis de l'encre partout. Ma maison était propre, ou presque, parce que bon, avec le chien, ça ne reste pas longtemps propre, mais bon. Hop, mais mon bureau, je n'ai plus de place, c'est un truc de fou, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que voilà. Là, j'ai travaillé toute la semaine dessus, je n'ai rien rangé. Enfin, tout du moins, j'ai pas pris le temps en fait, parce que je voulais absolument faire les vidéos. Il y avait les devoirs. Donc, souvent, je faisais la vidéo avant que tout le monde se lève, mais après, on attaquait les devoirs. Et donc, bah, le bureau, je le laissais tel quel. Le lendemain, du coup, il fallait que je refasse une vidéo, parce que sinon, bah, vous n'auriez pas eu beaucoup. Que donc j'avais mon programme à tenir, donc je refaisais les vidéos et que donc bah, à chaque fois c'était le même rengaine, je ne prenais pas le temps de ranger. Donc j'ai dit ce week-end, il faut que je trouve le temps de ranger. Voilà. Bien que après là, je vais refaire les devoirs. Bon, ma fille est déjà levée, hein, parce qu'on est samedi. Hein, vous l'aurez pas un samedi, mais nous ici, il est samedi et que donc ma fille est déjà levée parce que je ne me suis pas levée à 6h30 aujourd'hui. Hein, c'est le week-end. Et donc voilà. Pour ça qu'elle est en bruit de fond. Donc, je profite que monsieur ne soit pas là, justement, pour vous faire une vidéo qui ne soit pas en musique. En espérant que ma fille ne parle pas trop. Donc, l'encre, c'est fait. On va laisser comme ça. Voilà. La seule chose, c'est que je vais les garder sous la main pour la simple et bonne raison, c'est que je risque de venir faire des tampons de fond dans ces tons-là. Voilà. D'ailleurs, pour faire des tampons de fond, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas mettre de pâte de structure aujourd'hui. Non, je n'ai pas spécialement envie de pâte de structure. Mais des tampons de fond, évidemment que oui. Je suis en train de foutre le bordel à côté. On ne dira rien. Monsieur n'est pas là, il ne verra pas. On va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre des petites bulles. Voilà. Hop. Bon, c'est pas sec. Donc, on va attendre un petit peu avant de faire les tamponnages de fond. Voilà. Bah du coup, on peut peut-être déjà réfléchir à comment on fait, parce que du coup, j'ai pas de photo. Une page de scrap, c'est avec une photo. Donc là, il faut que je trouve qu'est-ce que je pourrais mettre ici, au lieu d'une photo. J'aurais bien mis le maillot de bain, il est tombé, moi, par là. Et puis quoi d'autre? Le petit parasol, là, me plaît bien aussi, mais il n'est pas dans les tons bleus. C'est un peu embêtant. On va faire les tons bleus pour être bien. Alors, ce sticker-là, je vous montre. Le sticker avec le phare, là, j'adore. Il est trop beau.
Il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Donc. Pendant que ça sèche, je regarde. Ah, j'aurais pu utiliser le transat là. Le transat, pourquoi pas le. Et un peu de ça peut-être. Ouais, on va garder ça sous la main. Je pense que je vais utiliser cette planche là de stickers. Alors, hop, je pousse un peu tout parce que c'est le boxon. On va vraiment falloir que je range. Hein. Ça ne va pas du tout cette affaire. Hein. Non, mais puis ça non plus. Tac, je pousse. Donc c'est toujours pas sec, c'est toujours pas sec. Est-ce qu'on pourrait pas trouver des étiquettes justement, enfin des sentiments à mettre dessus, prêts à être employés? Voyons voir. Alors, parce que j'en ai un, hein, des. J'en ai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le son de la vidéo de ma fille. Parce qu'elle. Elle a tendance à mettre le son des vidéos assez fort. Bon, ça va, c'est pas moi qui l'écoute. Mais bon, quand même. Et ces vidéos, je vous jure, c'est un truc de fou. Alors, j'ai Have Fun, qui est pas mal. S'amuser, c'est pas mal. Chaud. Ouais, il fait chaud, mais pas non plus hyper chaud cette fois-là. À la belle étoile, nature, excursion, fraîcheur. Summertime, pas encore non plus. Sable, bah non. Été, crasse. Départ. Alors, s'envoler, non. Campagne. Oui, on est pas mal. Hein. On est dans la campagne. Mais bon, c'est pas. C'est pas trop le thème du moment. On n'a pas piscine carrément. Non, je crois que je n'ai pas ça. Profiter. Ah yes, profiter, c'est pas mal aussi. Profiter, s'amuser. Du coup, je vais enlever le fun. Et on va regarder. Faire niente. Ça, c'est pas mal aussi. Profiter, s'amuser, faire niente. Là, ça me plaît bien. Ouais, là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ouais, bah on va mettre ça, je pense. Et pourquoi pas moment de bonheur en famille? Que je mettrai ici. Ouais. À la place de la photo, on va mettre ça. Voilà. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait. C'est impeccable. C'est nickel. C'est nickel. Donc, du coup, ça, c'est bon. On a ce qu'il nous faut. Donc, c'est impeccable. Ici, on va sûrement utiliser le transat. On a le maillot de bain et les tongs que j'ai mis. Bah, je sais pas où. Maillot de bain, tongs, ici. Et nos petites étiquettes. Impeccable. Donc, je vais mettre pause, je sèche, parce que c'est toujours pas sec, et je reviens. Donc voilà, c'est sec, on va pouvoir tamponner les tampons de fond. Donc ça, je vais pousser plus loin pour avoir de la place. Hop, donc je vais prendre la mermaide. Hop, je vais venir faire des petits ronds. Aléatoirement. Je ne réfléchis pas, je mets. Hop. Et on viendra réfléchir à la suite quand on placera les éléments et que voilà, on saura à peu près où on va. J'avais envie de faire la carte avec vous. Je ferai prochainement, je pense, dans la prochaine page de Project Life, au lieu de faire les cartes, je ferai les photos, une ou deux photos avec vous. Voilà, pour histoire de vous montrer comment je procède. Alors, principalement les cartes, je les ferai avant pour le coup, mais je réfléchis à une harmonie de ma page, donc voilà, je sais déjà à peu près où je vais. Je laisserai deux photos à faire avec vous et le reste sont déjà faits, histoire que la vidéo ne dure pas trois plombes et que vous vous ennuyez pas pendant que moi je suis en train de faire. Voilà, parce qu'une page se fait pas en 5 minutes non plus, donc comme j'aime bien prendre mon temps, parce que j'aime bien réfléchir, j'aime bien chercher mes étiquettes, comme vous voyez là, pour bien trouver le bon qui ira avec la photo. Voilà. Alors. Hop.
Je vais en faire en noir, je pense, quand même, pour rappeler mes étiquettes, mais je ne sais pas ce que je vais faire comme tampon de fond en noir. C'est embêtant, n'est-ce pas? Très, très embêtant, même. Je tirerai. Parce que je n'ai aucune idée du tampon de fond que je vais utiliser en noir. Et que je viens d'y penser. Donc, forcément, ça n'est pas du tout. Ah, mais si on a ça. Ce sera du Florilège Design. On a des petites, des toutes petites. Écoute, ici, ça peut servir. Hop. Donc, je range mon petit stress. Oh, mais elle n'est pas possible ce matin. Elle n'arrête pas de râler. C'est un truc de fou ce matin. Au moindre bruit, elle a boire. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle a mangé ce matin, mais ça ne devait pas être terrible. Hein, pour râler comme ça tout le temps. Hop, donc toujours pareil, aléatoire. On verra comment on met nos éléments après. Et j'aurais bien mis du washi dans le haut. Ouais. Ouais. Faut que je me lève. Pour trouver du washi. Ah, mais non. On va utiliser les bandes qui sont sur les stickers. Mais oui. Et on l'utilisera comme du washi. Ouais. Ça, c'est une excellente idée, ça. Voilà, voilà. Toujours dans l'idée d'éliminer, en plus. Donc, c'est nickel. Bon, bien que j'ai aussi les washi à éliminer, parce que j'en entends un tas pas possible, mais bon. Donc, on avait dit, hop, donc ça, je te pousse, voilà, qu'on mettait ceci, ici. Voilà, moment de bonheur en famille. Je vais le laisser en noir et blanc. Voilà, hop. Je vais essayer de mettre mes tongs en dessous, ici. Le maillot de bain. Oh, le maillot de bain, il est grand, en plus. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et donc, les bandes, c'est celle-ci que je parlais. Le transat, je vais le mettre avec ici. Donc, il me reste, c'est surtout le maillot de bain et les tongs à trouver où je mets. Donc, ça, je vais peut-être le mettre en 3D. Très fin, mais juste pour pouvoir passer mes stickers. Ou alors, je le colle après. Ouais, non. On va laisser comme ça. Je vais venir prendre mes stickers tongs colorisés. Par moi-même. Et à l'aquarelle. Voilà. Un petit ciseau que je veux. Voilà, hop. Parce qu'il y a trop de blanc. Donc, je vais venir enlever un petit peu de blanc autour du sticker. Il paraîtra moins grand en plus. Donc, encore mieux. Donc, je vais venir enlever juste ce qui me gêne. Voilà, hop. Je vais laisser les deux ensemble parce que c'est une paire. Hein, donc, je ne vais pas passer au milieu. Je vais juste, hop, faire le contour. Je vais laisser le blanc entre les deux tongs. En plus, je suis pas sûre qu'on le voie puisque ce sera en dessous de mon étiquette. Alors, pour l'étiquette, celle-ci, je crois qu'elle provient d'un magazine que j'achetais avant et que finalement je n'achète plus parce que... Bon, parce que voilà, hein, j'ai assez de choses en fait et surtout... en ce moment, je veux m'acheter que des tampons. Tampons, pochoirs, c'est surtout ça que j'achète. Et que j'en veux des bons. Voilà. Donc, je préfère dépenser là-dedans que dépenser dans des magazines qui finalement prennent la poussière et ne me sont pas spécialement utiles. Voilà. Alors, je vais venir les mettre ici. Hop. Voilà. Les petites tongs. Voilà. Mon petit maillot de bain. Alors, mon maillot de bain, hop, je vais faire pareil. Je vais venir enlever. Alors, je ne vais pas venir faire le centre, bien que je pourrais, hein, mais je n'ai pas envie de m'embêter à enlever le centre du maillot de bain. Donc, je vais faire pareil. Je vais juste enlever le contour blanc qui me gêne. Mais comme je vous ai dit, maintenant, je n'achète plus que, même chez Action, des choses dont je suis sûre de me servir. Je ne veux plus acheter par compulsivité... ou par dire « Waouh, elle l'a eu, moi je le veux aussi hein ?» Comme c'était au début le cas au début de que je scrapais dès qu'il y avait une vidéo qui sortait « Oh, l'action !» Il fallait absolument que je trouve la même chose que la nana, en fait, que je regardais. Non, ça y est, c'est fini. Maintenant que je sais exactement ce que j'utilise, je ne suis plus je ne fais plus de moutons. Et effectivement, les stickers, ce n'est pas ce que j'utilise le plus, finalement. Ce que j'utilise le plus, c'est vraiment mes tampons. Donc,
Finalement, je n'achète, j'achète plus, je ne passe même plus en rayon stickers, en fait. Non. À moins d'avoir un projet bien spécifique. Sinon, je ne passe plus... je ne regarde même plus ce qu'il y a, parce que j'ai toujours peur de craquer sur un sticker et de prendre du coup toute une pochette pour un sticker qui m'aura plu. Donc, je ne passe plus dans le rayon stickers. Les blocs de papier, en ce moment, je les évite aussi parce que j'en ai encore plein à éliminer. Donc, je me dis que tant que mon placard est rempli, que franchement, j'en ai pas besoin. Voilà. Ça sert à rien que je dépense dans des blocs que je vais pas utiliser, qui vont prendre la poussière, qui vont rester je ne sais combien de temps dans le placard. Donc voilà, comme là, ce bloc-là, donc du fond, la feuille-là, elle vient d'un bloc que j'ai déjà acheté il y avait, je sais pas moi, il y a 2 ans peut-être, qu'il était sorti. Qu'il était temps que j'utilise, quoi. Donc là, j'élimine. Voilà. C'est mon objectif en ce moment, c'est élimination. Voilà. Donc, le haut du maillot de bain est ici. Je vais mettre le bas, par contre, en haut. Voilà. On avait les petites étiquettes. Hop, voilà. Oups, donc on va mettre profiter ici, mettons farniente ici et s'amuser ici. Voilà. Hop, en diagonale comme j'avais dit. Donc ça ici. Je vais le coller tout de suite. Ça évitera qu'il s'en aille et que je me batte avec. Voilà. On va faire de suite, comme ça c'est fait. Alors. Voilà, donc j'ai mes 3 petites étiquettes. Je vais regarder ici, du coup je voulais mettre comme du washi. Alors, on peut mettre, hop, admettons je le coupe ici. Alors pareil, je vais enlever le contour blanc parce qu'il ne me plaît pas. Hop. Il y aura assez de blanc sur la page pour ne pas en rajouter, n'est-ce pas? Voilà. Déjà, je regrette en fait de ne pas avoir enlevé là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre ici. Hop, voilà. Et je vais faire pareil avec celui-là, mais en plus petit. Hop. Voilà. C'est pas coupé droit. C'est pas grave vu qu'il y a des stickers qu'on va rajouter par-dessus. Voilà. J'ai enlevé le bord blanc encore. Je vais venir le mettre par ici, comme ceci, voilà. Donc, mon bas de maillot de bain que je voulais rajouter. Donc ça, c'est pour rappeler ma fille dans la piscine, et moi, je suis dans le transat, donc je vais rajouter le transat en plus. Parce que là, le maillot de bain, c'est un maillot de bain de fille, sinon ça aurait pu rappeler monsieur, mais c'est plus un maillot de bain de fille, on va dire. Donc, on va dire que c'est pour rappeler ma fille. Les tongs, c'est ce que j'ai au pied. Pendant quand il fait chaud comme ça. Bon, là, j'ai remis mes chaussons parce que hier, hier, j'avais froid au pied. J'ai dit, je remets mes chaussons. Donc là, j'ai remis des chaussons. Voilà. Mais en principe, l'été, je suis en tongs. Je suis la seule à en porter d'ailleurs parce que je suis la seule à supporter. Mes filles ne supportent pas, mon mari non plus. Donc, les paires de tongs, ça me représente moi, forcément. Voilà. La petite explication, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas sur la photo, mais quand même, c'est moi qui les prends, les photos. Alors, bon, hein, on va pas s'oublier. Mais je suis rarement en photo, sauf si je fais des selfies, parce que, finalement, je suis la seule à prendre des photos ici. Ma fille en prend quelques fois, mais pas souvent. Donc, bon, je pense que vous allez revoir une autre page piscine d'ici peu, parce que... justement pendant le confinement il a fait super beau et que donc j'ai refait des photos de piscine. Je vais essayer de ne pas faire comme l'année dernière, à prendre que des photos de la piscine, n'est-ce pas, même si on y passe les 3/4 de notre temps, parce que voilà, on ne fait pas que ça non plus, et j'ai tendance à faire que des photos quand on est dans la piscine, enfin quand les filles sont dans la piscine. Donc je trouve ça un peu dommage. L'année dernière j'ai fait je ne sais combien de photos de piscine. Bon, on venait de la voir, donc en même temps ça se comprend, n'est-ce pas, mais quand même, j'aurais presque pu faire un mini-album que de piscine, que de faire des pages de Project Life. Voilà, j'ai regretté d'ailleurs, parce que du coup, quand on tourne les pages du classeur, on n'a que la piscine pratiquement.
Je cherche un savoir faire mini avec les photos de la piscine. Donc si je vois que cette année, je ferai... Lydie! Désolée, la chienne n'est pas contente ce matin. Je vous ai dit, je sais pas ce qu'elle a mangé. Et là, Arel, après le pogona et la tortue, parce qu'en fait, ils ont bougé dans le terrarium. Et oui, ils n'ont pas le droit de bouger. Elle a le droit, mais pas eux. Que voulez-vous? Alors, je vais mettre mon petit maillot de bain là. T'arrêtes de râler? Ah, bah apparemment, non. Donc, je voudrais mon transat aussi. Hop, que je vais venir mettre ici. Hop. Et donc, après, il restera à coller les étiquettes. Et à coller la carte sur la page. Mon petit transat. C'est pas exactement ce que j'ai, hein, mais j'ai pas de photo de mon vrai transat. Donc, parce que mon transat, en fait, c'est un peu un Mac. C'est les transats suspendus que j'ai. J'avais demandé ça l'année dernière, je crois, à mon anniversaire ou à ma fête des mères. Et donc voilà. Je crois même que ça a fait les deux, en fait. Ça a fait mon anniversaire et la fête des mères. Voilà. L'année dernière ou l'année d'avant? Non, l'année d'avant. Oui, je dois bien faire ça. Ça fait un bout de temps que je l'ai, mon fauteuil, là. Je l'ai rodé, puisque chaque fois que ma fille va dans la piscine, je suis dedans, mais... Voilà. Hop. Et donc, maintenant, les petites étiquettes à coller. On y va. J'ai un bout de sticker, ce qui est tombé. Hop. Comme ça colle, forcément. Hein. Mais c'est pas possible. Elle me fatigue ce matin. D'habitude, elle fait pas de bruit. On l'entend pas. Et ce matin, elle arrête plus. Alors, hop. Elle ne s'arrête plus, je vous ai dit. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais je vais croire que je vais changer de croquette. Hein. S'amuser et profiter. Ouais, voilà. Donc ma carte serait finie. Donc je vous mets en pause parce que je mets du washi donc sur ma page pour cacher donc ma fille et mon mari. Et je reviens de suite. Donc voilà ma page. Et donc je vais venir coller ma carte ici. Et donc oui, ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. Alors on y va. Donc, comme d'habitude, je vais étaler au doigt, je mets de la colle et j'étale au doigt pour qu'il y en ait bien partout et surtout dans les coins. Hop. On est sûr de pouvoir mettre sur les photos, n'est-ce pas? Alors, les autres, je les ai collés à la je crois, parce que c'est ce que j'avais sous la main, parce que je faisais les doigts en même temps avec ma fille. Mais... bah du coup, celle-ci, je l'aurais collée à la colle liquide. Voilà. Mais avec la colle UU, ça fonctionne très bien. Donc, j'avais fait des traits à peu près pour avoir un petit liseré blanc entre. Voilà. Et voilà. Ma page de Project Life, c'est terminé. Donc, je vous montre à peu près. Donc là, on a bien... vous voyez, les tongs, on les retrouve là. Le transat aussi. Et du coup, on les retrouve ici aussi. Voilà. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.